Salut à tous et à toutes, c'est Kitaro, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Kingdom Hearts 32 ou 33, je ne sais plus, bref. Et souvenez-vous-en, on avait été faire plein de choses. on avait été, je crois, à Agrabah, on avait été faire la cité d'Agrabah. Est-ce qu'il y a un autre endroit qu'on a pu débloquer? Ici, par contre, on n'est peut-être pas assez haut niveau. Le mieux, ça serait carrément qu'on aille ici, là. Eh ben on va y aller, on va atterrir, c'est parti, on atterrit au Colisée. Alors, rien à signaler. Aucun signe de simili ni de sang cœur pour le moment, du moins. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Colisée des Enfers. C'est ici que s'affrontaient les monstres infernaux autrefois. Mais Xos, qui n'appréciait pas la violence, l'avait condamné. Pourquoi il est de nouveau ouvert alors? Quelqu'un doit avoir brisé le sceau. C'est malin. Bah... Où est-ce que tu vas, Auron? Reste un peu avec nous. Si vous vous ennuyez, vous n'avez qu'à aller aider vos amis. Ok. Salut. Alors, tu te sens mieux, Hercule? Oh, toujours pareil. Notre champion pense que sa carrière est terminée, et Phil dit que tout ça, c'est dans sa tête. Oh, Hercule, nous savons que tu es un héros. Mais c'est qu'il a raison, le débile. Comment peux-tu être déprimé un jour comme celui-ci? Mon Colisée a Romain, et tu vas le remplir. Je suis sûr que tes admirateurs n'accepteront rien d'autre qu'un héros certifié. Et puis si tu ne te sens pas à la hauteur, tu pourras toujours, je sais pas moi, perdre. Ça te plairait, hein? Pardon? Je suis pas un égoïste, moi. Pas comme ces snobs prétentieux de l'Olympe. Je suis du côté du peuple, mais j'ai une idée du tonnerre de Zeus. Les jeux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sont de retour! Votre dévoué Hadès, le seul et unique seigneur des morts, vous convie à un grand tournoi pour fêter la réouverture de notre fantastique Colisée! Nous répondrons à la question primordiale, qui est le plus grand héros de tous les temps? Ces jeux mettront enfin tout le monde d'accord. Et que remportera le grand vainqueur? Exactement! Vous l'avez deviné, la Coupe Hadès! Et bien sûr, le grand, l'inimitable Hercule sera présent. Sinon... Tu ne reverras jamais ta fiancée. Hercule! T'es trop gentil, petit. Venez-moi si vous voulez participer à un tournoi. Sa majesté Hadès se sent d'humeur charitable. Il s'occupera des formalités post-mortem. Vous pouvez vous estimer heureux. Si vous gagnez, vous remporterez de fantastiques trophées. Il y a plusieurs types de tournois. Venez aux nouvelles de temps en temps. Ouais, ça coûte rien et ça peut remporter gros. Je m'occupe des inscriptions pour la Coupe Hadès. Ne vous trompez pas. Ok, donc... Eh bien, on peut participer. On va essayer de participer à cette coupe. Je sais pas si c'est optionnel ou s'il faut vraiment le faire. On verra bien. Si je vais à la ferme, si je vais chez le Mog, est-ce que je peux acheter des nouvelles? Je n'ai pas celui-là, je crois. Hein. Si, je l'ai pas. Hein. Et les autres qui l'ont, ça? Non, mais je suis débile. Hein. Je l'aurais même pas équipé. Non, mais je suis idiot, hein. Et je l'aurais même pas équipé. C'est hallucinant. Moi, je suis un con, hein. Bah, écoutez, vous savez quoi? On va y participer. Donc, faut aller leur parler à eux, je crois. Bon, écoute, c'est ici, ça vous tente? Allons-y. Alors, qui sont nos premiers adversaires? Voyons voir. Les Vrilleurs! Regarde, Auron aussi participe au tournoi. Ah, il risque de devoir affronter pour le titre. C'est un héros? Bah, je crois pas qu'il soit méchant, mais... C'est toi le seul héros ici, Hercule, tu le sais bien. C'était vrai autrefois, mais à présent... Ça suffit! Ok, donc il va falloir affronter les autres, alors. Ok. Allez, hop, on y tape.
Allez, comme ça, ça fera gagner un peu d'XP. Allez, hop. Ça sera fait. Après, ça peut permettre de gagner un peu d'XP, ça serait pas mal. C'est bon, on a réussi. Alors, champion, tes impressions? Je suis loin de mon meilleur niveau, désolé de vous handicaper. J'ai pas l'éponge de tout de suite. On a encore besoin de toi pour la demi-finale. Ok, bah écoute, non, il faut aller là, je crois. Champion, la couverture, c'est quand même un héros, ok. Allez, bah c'est parti, oui, bah prêt pour la demi-finale. Nous y voilà. Waouh, on rencontre Glace Funeste. Ils sont forts. Ils en ont l'air, mais on ne va pas se laisser intimider. Ouais, après ces petites sans cœur de merde, normalement, non? Ouais, c'est des sans cœur de merde. Enfin, je dis ça, sauf que je vais me faire défoncer, mais... Ouais, c'est des sans cœur de merde. C'est des sans cœur de merde. À nous la finale! Si on gagne, on sera tous de vrais héros. Ah, c'est donc ça qui te motivait? C'est vrai, il y en a marre des apprentis héros. C'est vrai de ne pas trop vous gêner. Arrête avec ça, tu veux. Et regardez. C'est lui notre dernier adversaire, non? Aaron. On se connaît? Hein? Aaron? Je dois ouvrir pour expier mes crimes. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dirait qu'il n'est plus lui-même. Ouais, mais donc on peut pas y participer de suite. D'accord, donc il faudrait qu'on aille par là. Ok, bon. Et ouais, je baille. C'est-à-dire que bah, je bosse et... Très bien, étudions ton cas. Énonce ton crime, prisonnier. J'existe. Voilà mon crime. Et c'est... inexcusable. Bien. Bonne réponse. Qu'est-ce qui arrive à Auron? Je l'ai jamais vu comme ça. Chut. Tu as donc commis une petite bévue. Tu existes. Mais bon, je suis magnanime. Remplis ta part du contrat, et je serai d'humeur à te pardonner une ou deux erreurs. J'ai compris. Je dois battre Hercule. Et ses amis trouvent winner. Quoi? Non. Seulement Hercule. Oh, me dis pas que tu as oublié qui commande ici. Hercule et les trois autres. Est-ce bien clair? Très clair, Hadès. Seigneur Hadès. Seigneur Hadès. Bien. Maintenant, va. Alors c'est avec ça qu'il contrôle Auron? Quelle canaille! Pour lui, c'est sans doute un compliment. On ne peut pas laisser Auron se faire manipuler. Nous devons l'aider. Venez, suivons-le! À mon avis, il faut qu'on aille lui parler. Passe-t-il, Sora? Auron a des ennuis. Il est sous l'emprise d'Hadès. Il possède une petite statue d'Auron. Une poupée? Ça me rappelle quelque chose. Hadès se sert certainement de cette figurine pour contrôler la volonté d'Auron. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Essayez de trouver cette statue. Elle doit être quelque part aux enfers. D'accord, on s'en occupe. Me dis pas que t'as l'intention de t'en aller. Le tournoi va commencer. Je combattrai Auron lors de la finale. En duel. Vraiment? Tu es d'accord? Et alors, non, dans ce cas, je vais essayer de gagner du temps. Mais... Dépêche-toi de revenir. Je sais que tu peux y arriver. Félicitations. Marché conclu. Merci. À une condition. Le mal coiffé et ses petits compagnons devront affronter le vainqueur dans un ultime combat. Qu'en dis-tu? Le public va adorer ça. Y a intérêt. Ma réputation est en jeu, je leur ai promis un spectacle d'enfer. Quelle bande de naïfs. Ils gobraient n'importe quoi. Ok, donc il faut qu'on aille aux enfers alors. Je t'en ai calculé quelque chose, mais techniquement. Faut que j'achète des potions parce que sinon j'en aurais peut-être pas ça. Non, j'en ai 17, c'est bon. On va acheter les éthers. Bah écoutez, les enfers c'est là-bas, on est d'accord. Hein. Ouais, à mon avis, c'est pas là. Si je me trompe pas. Non, c'est qu'un trépas. Donc c'est certainement pas par là. Hein. Ouais, ben le pauvre Ron, il se fait manipuler, quoi. C'est chaud, hein. C'est quand même assez chaud. Hein. Tac, tac, tac. Et après, je pense que prochain épisode, on ira aussi dans le monde de... Ah oui, ma fin de rentrée. C'est ça, non? Ah, là pour l'étape, tout ça en même temps, on va gagner un peu d'XP. Allez, en plus, tout ça, ça va faire un peu d'XP, ça va être pas mal. Ça sera plutôt pas mal. Mais je suis pas sûr que ce soit par là qu'il faut que j'aille, non? Je sais plus. Allez, on prend une étape, les gars. C'est si bon. Je sais pas comment ils nous font gagner d'XP. Pas des masses, en fait, finalement. Alors, pas eux, peut-être un peu plus, regardez. Eh, poche, tu vas crever. Il y a des chests qu'on n'a pas récupérés. Que je pense qu'à mon avis, pour affronter le boss final, il faudra qu'on soit assez au niveau. Tac, ça c'est fait. Attendez, il y a un chest. Avec la vitalité, Abby va faire nous entrer. Ah, il y a plus de tumeur. Oh, mais là, c'est l'entrée, là. Ok, bon, là, ça fait rien. Voilà, c'est là. Ah, mais attendez. Bon, ça se trouve, c'était pas par là qu'il fallait que j'aille. Là ça mène à rien, là c'est pour entrer, c'est pour aller à l'Olympe, là on est d'accord. Hein. Ouais c'est la porte du Colisée, donc c'est certainement pas par là. Là c'est pour, juste pour examiner, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il me dit? Évite dans l'antre d'Hadès pour récupérer la statuette, d'accord, donc à mon avis ça doit être par là. Bon ça, y a pas trop, c'est pas timé. Sinon, le pauvre Hercule, je pense qu'il aurait des problèmes. Allez, attaque.
Voilà, ça y est, on gagne un peu d'XP. Cela est fait. Alors, faut aller par... Ah, ils sont là, les pépères. Ça, en plus, avec la Keyblade que j'ai, ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, sans que ça paraisse. Je fais quand même pas mal de dégâts, ça c'est plutôt cool. Hein. On a vraiment ce qu'il faut. Hein. Allez, un peu de thunes. Allez, Sora qui monte au niveau 38, c'est plutôt pas mal. Allez, on récupère pas mal d'objets. Bon, après, je fais peut-être pas les fusions et tout le bordel, tu sais, pour avoir les Ultima et tout le bordel. Je le fais pas parce que je sais que c'est hyper long et tout à faire. Alors, ça paraît être faire le jeu à 100%, mais. C'est vrai que j'avoue que les jeux, je les fais jamais à 100%. Et toi, tu meurs. Ça, c'est fait. Alors, j'espère que je suis au bon endroit. Ah, il a. C'est bien que je suis au bon endroit. Ah, ça c'est bien cette espèce de tupi à tourbillon là. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il y a ce pingouin là qui fait le con là. Voilà, crève. Ah, c'est notre pingouin qui nous fait chier. Ok, je suis à carnu très fond. Tac tac tac. Ah, et on est à la vallée des morts, hein. Alors qu'ils auraient dû mettre un timer là, tu sais. Ça aurait pu être vachement intéressant, un petit timer, tu sais, du genre, faire attention, est-ce que t'entends avant que Hercule se fasse défoncer, tu vois, ça aurait été pas mal. Alors, je sais que je suis sadomaso de demander ça, mais... Mais ça aurait pu être marrant. Ah, Dango qui monte au niveau. Ça, c'est cool. Voilà, bon, c'est bien, tout le monde monte de niveau, ça, c'est plutôt cool. S'il y a des ennemis, c'est-à-dire que on est au bon endroit. Voilà, bon, ça va, je récupère un peu de vie. Allez, on y est arrivé. La voilà. Il n'est pas trop tard. Faisons demi-tour. Je refuse d'accepter tout ceci. Il y a sûrement un autre moyen. Vous serez mort enfin. Vous devez vivre. Je comprends. Ça vient du cœur d'Oron. Ça alors, il a pas dû avoir une vie facile. Non, tu as raison. Mais sa souffrance l'a rendu plus fort. Oh non, mais d'où ils sortent cela? J'aurais dû le parier. Ah, ça là, il donne de l'XP, c'est plutôt cool. Et crève. Je mourrais, bande de connards. Allez, comme ça, c'est fait. Bon, ça, et mes collègues montent de niveau.
Et hop. Et vous avez crevé. Ah, la musique des similis est tellement énorme. C'est bon, on a réussi. Je comprends pas, mais ça nous sauve. On ferait mieux de filer. Statue d'Oron, ça c'est bien. Allez, il faut aller lui rendre. Attendez, avant je vais aller récupérer. Donc c'est bon. On est en train d'en profiter, mais vous aussi vous êtes venu assister à sa défaite. Eh ben allez, on fonce. On fonce, Alphonse. Sora, Donald, Dingo. Aaron ! Oh, espèce de petit ! Prisonnier, tu n'as pas oublié notre marché quand même. Je peux t'offrir un casier vierge, mais tu dois m'obéir. Tu n'as peut-être pas entendu. Je te le répète, je décide seul de mon sort. Ça suffit! Le tournoi est fini, j'ai respecté les règles, je suis ici. D'accord, je l'avoue, j'espérais que Supermal perdrait contre Oron, mais c'était quand même un combat équitable. Vous n'êtes pas d'accord, les gars? Vraiment, un combat équitable. Oh. Riez, riez, riez tant que vous le pouvez. Bientôt, il n'y aura plus que des larmes. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que maintenant, on va jouer selon mes règles à moi. Meg! Hercule! Hey, je t'avais prévenu d'entrée de jeu. Tu participes pas, tu perds ta copie. Non! Meg! Tiens bon! Ça va être la descente infernale. Peut-être, mais nous, on est toujours là. Oh, yeah. Ça va être plus. Et on va garder Donald et c'est parti. On va affronter Hadès. Oui. Alors attendez. Ça marche pas. Parce que nous sommes aux enfers. Comment faire pour le vaincre alors? Peut-être qu'un vrai héros pourrait vous aider. Mais tu... Je te remercie, Hadès. Je n'ai pas hésité à risquer ma vie pour Meg. Et je me suis souvenu... qu'un vrai héros se mesure à la force de son cœur. Je suis de nouveau moi-même. Prends pas trop de risques, quand même. Les gens font des choses risquées quand ils sont amoureux. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, bande d'imbéciles ?
Vous êtes pénible, hein. Franchement, horripilant. T'es cuit. Allez, bah, second round, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Allez, hop. Allez, attention. Allez, c'est pas mal. Et on frappe maintenant. Tu baisses les bras. Qu'est-ce que tu dis ça? Tu baisses les bras. Personne n'arrête un vrai héros. T'es cuit. Allez, hop, on le frappe, on le frappe. Allez, on se soigne. Personne n'arrête un vrai héros. Allez, on le frappe maintenant. C'est parti. Ouais, mais là, quand on a plus le super mal, ça va, y a pas besoin. Allez, on lui envoie ça. Allez, on le frappe, les gars, on le frappe. Attention, 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 là, mais non. Voilà. Ah mais ça lui fait pas de dégâts en fait quand on fait ça, non? Tu baisses les bras. Personne n'arrête un vrai héros. Et on le frappe. Allez attention, ça y est maintenant là il avait la cible. Et envoie-les. Envoie-lui. Ah putain mais il te soigne toi. Allez, vas-y! Tu baisses les bras. Allez, vas-y, vas-y! Mais pourquoi il le fait pas? Voilà. Mais non, on l'attaque! Attends, là, mais non! Ah putain, ça va être chaud. Hein. Éther. Allez, les gars, allez, 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 allez. Allez, hop, c'est parti. Allez, hop, maintenant, on le frappe, maintenant. Là, on peut résister, là, c'est bon. Allez, 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 sur là. Allez, merde. Ouais, la fusion va être finie, c'est dommage. Tu baisses les bras. Allez, on soigne. Ah, attention les gars, attention, 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 il attaque. Eh mais non, on attaque les gars, on attaque, on attaque. Personne n'arrête un vrai héros, t'es cuit. Allez, un petit coup d'éther. Allez, on soigne tout le monde. Personne n'arrête un vrai héros. Je brûle ta patience. T'es cuit. Allez, quand tu fais ça, il est chiant, Brandon. Attention, il envoie ses flammes. Allez, on attaque! On y est presque! Allez, on se soigne tout le monde! Allez, connard! Voilà, on a réussi à les battre. C'était chaud comme combat.
Mais j'ai bien aimé. C'est pas encore fini. J'ai passé ma vie à protéger les autres. Mais là, il n'y a plus personne à défendre. Peut-être est-il temps que je prenne en main ma propre vie. Oui, tu le mérites, Auron. Après tout ce que tu as traversé... J'imagine que je dois vous remercier. Pas la peine. D'accord. Enfin... tu peux nous remercier un petit peu. Ah bon? Faudrait savoir. Je vais donc faire un effort. Merci de vous en être mêlé. Hé, hey, ça veut dire quoi ça? Eh, hey, fille, tu arrêtes. Petit chat, il fait le con. Ah, âme de gardien, puissante à la corde de 100% les dégâts infligés avec les commandes réaction. Ouh, c'est pas mal, c'est intéressant ça. Les amis, vous êtes les meilleurs. Merci. Oh, on dirait que les canards n'aiment pas la gratitude. Je plaisante. Merci Sora, Donald, Dingo. Alors, où est-ce que vous allez maintenant? Oh, tu sais, on ne veut pas vous déranger plus longtemps, comme vous êtes toujours collés l'un à l'autre. Là, on doit se regarder. Sinon, on va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas. C'est ça. Hé, hey, les enfants, vous voulez que je sois au chômage ou quoi? Si vous continuez à remporter toutes les épreuves, qui je vais entraîner, moi? Oh, tu peux pas m'abandonner maintenant. Phil, je dois être au mieux de ma forme si Hadès refait surface. Alors, objectif, oui, ou maintenant? Ouais! Allez, Phil, qu'est-ce que t'en penses? Voyons voir un peu. Vous n'êtes pas assez philosophe. Pas encore assez d'expérience. Oh, ça va, on a compris. Écoute, petit, c'est pas moi qui décide. Alors, tais-toi. Mais si c'était le cas, je peux vous garantir que je vous nommerai tous héros, en un clin d'œil. C'est vrai? Quoique, si c'est ça vos têtes de héros, vous avez encore du pain sur la planche. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'insiste pas. Phil! Mais laissez-moi! Tu as vu ça? Un message des cieux. Et ben voilà, on aura fini, avec avec Olympe. Nouvel épisode a été ajouté. Ok. Est-ce que ça m'aura débloqué notre accès? Non, pas encore. Ouais, donc vous savez quoi? Est-ce que on pourrait pas retourner après? Il faudra qu'on essaye de retourner là. À mon avis, il y aura un truc à faire. Et puis après, voilà, c'est tout, je pense qu'à mon avis, on sera pas trop mal. Mais écoute, on va se laisser là pour ce nouvel épisode de Kingdom Hearts 2. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.
C'était Kintaro et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye tout le monde!